Salut à tous en espérant que vous avez passé une très très bonne semaine. Vous l'avez réalisé, malheureusement nous ne sommes pas sur le plateau du New Show ce vendredi parce qu'il y a un petit roman causène et mon temps malade. Mais ceci dit, voilà, comme chaque vendredi, notre objectif reste le même malgré les conditions un petit peu difficiles, de vous informer et vous divertir parce qu'il d'ailleurs nous déroule pas mal de choses cette semaine. Hein, pas mal de choses qu'on ne peut pas passer à côté, notamment à l'Assemblée nationale. Même si nous pas gagnons le droit, c'est vivre l'image de l'Assemblée nationale, parce qu'il tente sur nous gagner problème, tout cela. Parce qu'après tout, hein, l'Assemblée nationale, c'est le symbole même de la démocratie. L'établissement suprême qui dirige le pays, qui recueille nos députés avec le passion pour le travail. Mais bon, ouais, c'est forcément fin de rouler le match d'affaires. Mais même si le pas gagnant a servi mon image à l'intérieur de l'Assemblée nationale, fin a pas mal de choses qui fait dérouler également à l'extérieur. Parce que nous connaissons l'opposition, l'impression que je passe plus beaucoup de temps dehors qu'il y en a. Mais on a vu notamment cette semaine les expulsions de Rajesh Bhagwan et Johanna Béranger. Et malgré la colère, malgré la frustration, on sent que au sein de l'opposition, on se serre les coudes, on reste solidaire. En tout cas, dans mon ami qui est là. Sorry, je suis là. Alors, autre événement qui concerne toujours cet amour entre l'opposition et l'Assemblée nationale, Orvin Boulel, chef de file du Parti travailliste, membre de l'opposition, vous le savez, qui devait faire son retour ce mardi à l'Assemblée nationale parce qu'il y fait une pioche 4 séances de suspension. Il y a 6 semaines dans l'Assemblée nationale. À peine il met ce pied dans le Parlement, speaker dit non, déo. Pourquoi? Parce que voilà, le speaker de l'Assemblée nationale a jugé qu'Orvin Boulel ne devait pas dire certaines choses dans une radio privée, dans une interview. Donc, moi, ça va déjà faire là, tchoup-tchoup, moi, arrêter de causer, papa, oh, assez gay problème là. Mais on se demande quand même, Orvin Boulel, ce n'est pas la première fois qu'il est expulsé, on peut même dire qu'il est un petit peu habitué, hein? Mais à force d'être expulsé comme ça, il n'est plus connu qui peut dire de nouveau. La tyrannie de l'État, du nombre. Il y a le nombre, on appelle ça la tyrannie du nombre. Le nombre de la tyrannie. Vous avez servi la tyrannie du nombre. Alors, une autre affaire qui finit de dérouler toujours devant le Parlement, cette fois qui concerne le citoyen Ruben Pillet. Chamanzone Live, Facebook. Alors, qu'il est-ce que fait? Il s'est fait une manifestation devant l'Assemblée nationale, toujours mardi dernier. Mais sauf que la police n'est pas si contente, donc la police, il ne saisit son pas encore qu'il n'allait. Et nous t'y trouvé qu'il s'en pas encore. Là, tu parais bien précieux pour Ruben Pillet, hein? Rends-moi mon pancote, déchuite-moi pour qu'on t'y crie. Est-ce que je rends-moi sa pancote, là? Rends-moi mon pancote, déchuite, là. Rends-moi sa pancote, là. Donc voilà, Ruben Pillet qui... Rends-moi ça, déchuite, là. Moi, pour qu'on t'y crie, est-ce que je vais avoir fini, s'il fallait. Enjoun Kavran, les chopes encore, s'il vous plaît. Rends-moi sa pancote, là, déchuite, là. Mais qu'importe, est-ce qu'il en fait trop? Je ne suis pas là pour répondre à cette question, mais vous l'aurez quand même remarqué qu'à un moment, pendant qu'il est typé en colère avec ban policier, il a soulevé un point qui, comment dire, fait tout du monde reste tranquille, pas qu'à dire non, ni comment dire. Longtemps, ça l'uniforme, c'est une vallée, c'est une lunaire. Toute lunaire là a été quand je viole le droit citoyen. Toute cette lunaire là a été. Hein? Voilà, en tout cas, merci beaucoup, The Finget, ça, épisode light du New Show là. Encore une fois, pas oublier pour like, commenter et share sa vidéo là, subscribe, loue la page YouTube de One TV et surtout, continuez à abonner sur toutes les différentes plateformes que sont Facebook, Instagram et aussi TikTok. Et dans l'espoir qu'on voilà, on se retrouve la semaine prochaine dans les meilleures conditions. Mokone, un tapou, dis-moi. Sachez mon ligne sauvée, ça a pas tant viré à côté la bob, comme ça a été le cas, comme le défi lancé par les Watch Alpac et les Watch Alpac la semaine dernière. Même si à ce matin, à ce vendredi matin, l'objectif de 22 000 views sur YouTube n'a pas été atteint, mais qu'importe, je vais retenir le défi, ce sera vendredi prochain.
Vendredi prochain, je le promets, la semaine pour la vendredi prochain, bon, pour aller côté la Bob, comme à Watchalpin, tu peux dire moi, eh bien, je le ferai. Et d'ailleurs, beaucoup de pommes, ils là, hein, mais tu l'as là, dans le commentaire. On va dire tout de suite, à commencer par Maurice Marie Mariacha, qui dit à nous toujours, Christophe Pella, keep it up, guys. Merci beaucoup, Maurice Maria Mariacha. Pour ton message. Après, il y a Adish Ramkeren qui dit nous, pas tous nous mettons sur la bob. Non, pas tous nous la bob. Pas tous sur la bob. Là, on prend soin de ça. Mais bon, mon mauvais dire, c'est bon, c'est bon pour faire dit quand même. Et d'ailleurs, toujours à ce sujet, donc James Moutoussami qui dit raser ça la moitié la bob la vendredi. Voilà, pas ce vendredi, la semaine prochaine, c'est beau faire dit. Après, nous, tu peux dire que. Il y a beaucoup de monde qui est un peu partout à travers le monde, dans plusieurs pays, sur tous les continents. Et je retiens un message de la part de Quick Email Needed. C'est pas la première fois qu'il peut avoir une nouvelle commentaire, mais c'est assez intéressant. On ne sait pas si c'est libre ou pas. Allô, Lidiano, big up de Transnistria. Transnistria. Donc, en ligne, ça, on a fait un petit Google, un petit recherche Google et ça existe vraiment. Donc, apparemment, Quick Email Leader reste dans Transnistria. Et il peut dire Tracia le prononce, c'était à eux. Vous l'avez aussi fait, les. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce commentaire. Continuez comme ça, continuez là, qu'on se fera un plaisir de les lire dès la semaine prochaine. D'ici là, je connais la ville isolée quand nous vivons, quand nous sommes contents et nous marie contents eux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, dans de meilleures conditions, certainement. Et je vous souhaite un très très bon week-end. Hein? On se donne rendez-vous la semaine prochaine.